Salut à tous, Steve Sadio dans le 1330, l'événement du mercredi, c'est cool. Le 1330, on aime bien ça. Et je suis avec Ethem Nouari, comment vas-tu? Ça va, très bien, et toi? Eh bien, ça va plutôt bien. Ethem qui fait son deuxième 1330, dis donc, deuxième apparition. Et ça, c'est cool parce qu'au bout de 10, il gagne un truc. Je sais pas quoi encore, mais bon. Donc, c'est bon, sur la bonne voie. Mais non, c'est cool. Et cette fois-ci, tu vas nous parler de Azure Functions. Et ça va très bien, ça. Moi, j'aime. Dès qu'il y a Azure dans le titre, j'aime beaucoup. Voilà. Bah, voilà, Mais oui, on va pouvoir lancer. Je vais afficher. Ok, ce truc-là, c'est bon. Tu peux démarrer avec les slides. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions en cours de présentation. Je suis là pour les poser à notre intervenant magistral, qui est Ethem Nouari. Bravo. C'est à toi. Bonjour à tous, donc je suis Noaya Ethem, je suis développeur full stack chez Neos et je vais vous parler aujourd'hui des Azure Functions. Exactement. Mais avant ça, on va ouvrir une parenthèse sur le serverless computing pour avoir un peu de contexte sur les Azure Functions. Donc le serverless computing, c'est un modèle de calcul dans lequel le fournisseur de services, donc en l'occurrence ici Azure Cloud, va exécuter notre code sur une infrastructure que nous, on ne gère pas. Ça veut dire que c'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc, les applications serverless donc, sont décomposées en petites fonctions isolées, donc, qui vont être activées indépendamment en réponse à des événements. Donc, ça peut être des appels API, ça peut être des ajouts dans une base de données ou dans un compte de storage, voilà. Et après, donc ça, ce modèle de calcul nous offre donc une meilleure flexibilité vu que les tâches et donc les fonctions sont indépendantes et découpées en petites fonctions isolées. Donc faire évoluer aussi ces fonctions est plus facile. Et c'est des coûts moindres vraiment par rapport à ce qu'on paye parce qu'on va payer uniquement les ressources qu'on utilise. Donc, on sera facturé selon le nombre d'appels d'API ou le temps d'exécution de nos fonctions. Alors, on n'a pas de maintenance à faire sur l'infrastructure puisqu'on est sur… D'où le point suivant. Donc, ça réduit vraiment la complexité de gestion d'infrastructure. On ne va pas se casser la tête du tout avec tout ce qui est infrastructure. Voilà, donc j'allais juste signaler par rapport à les coûts, au fait que la création d'une function app, donc le service qui va contenir des Azure Functions, crée automatiquement un compte de storage Azure, donc pour maintenir les journaux d'état, etc. Voilà. Donc, ça aussi, c'est facturé. Voilà. OK. Donc, maintenant, avec les Azure Functions, donc c'est un service de cloud, Azure, donc, de cloud computing, qui permet voilà, de créer d'exécuter des applications serverless à l'aide des fonctions isolées. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit dans le slide précédent. Donc, une Azure Function, c'est un morceau de code vraiment qui est autonome et qui est déclenché par des événements spécifiques. Comme on l'a dit, ça peut être un appel HTTP, ça peut être un fichier qui est rajouté dans un blob, par exemple, etc. Et une Azure Function donc, peut être développée dans le langage de notre choix. Ça supporte plusieurs langages, donc on a du C# et .NET, bien sûr, on a du Java, du Python, etc. Donc, elle est aussi exécutée de manière totalement indépendante et comme on l'a dit, on est facturé que pour les ressources qu'on a réellement consommées. Voilà. Du coup, si tu parles de manière totalement indépendante dans l'exécution, ça veut dire qu'on doit avoir, on ne peut pas passer d'informations d'une Azure Function à l'autre si on peut quand même, pas. Si, parce que vu que ça a un type de retour, etc. Donc, et on verra vraiment à la fin. Restez jusqu'à la fin, les mecs, ça va être cool. Non, ça va être super cool. Ouais, voilà. Donc,
Pourquoi? Donc, pour répondre à la question de pourquoi utiliser les fonctions Azure, donc juste, on va résumer les bienfaits d'utiliser ce service. Donc, on a parlé de l'évolutivité. Donc, c'est vraiment très facile de faire évoluer une Azure Function, vu qu'on ne gère absolument pas les dépendances à l'infrastructure, etc. Le coût, comme on a dit, il est vraiment optimal. Enfin, optimal, mais ça, c'est un coût moindre, en vrai. Et c'est très facile de l'utiliser. C'est aussi facile à intégrer avec d'autres services. On va voir ça plus en détail dans un des slides suivants. Et aussi, ça, du coup, permet une certaine forme d'agilité. Voilà. On a évoqué vite fait l'élasticité selon l'audience, le volume d'audience qu'on peut avoir, et qui est géré directement par la plateforme Azure. C'est effectivement, c'est Exactement, pratique. c'est ça. Et donc, maintenant, voyons voir des use cases avec un peu d'exemples. Voilà, donc ça peut faire des traitements, ça peut être utilisé, pardon, pour gérer des traitements de tâches en arrière-plan. Donc, ça me fait penser à, par exemple, des modifications dans la base de données, que ça sera déclenché après quelques manipulations sur notre web application, par exemple. Qu'on va appeler avec un appel HTTP et ça fera les modifications dans la base de données. Des traitements d'événements, par exemple, on a un blog où on met des fichiers et on veut traiter chaque fichier rajouté dans ce blog. Bah, du coup, les Azure Functions, ça nous permet de faire ça. Donc, ça va écouter sur ce blob et dès qu'on rajoute un fichier, ça lance une Azure Function et donc un traitement sur ce fichier. On peut les utiliser comme des microservices aussi, vu qu'on a dit que une Azure Function peut être déclenchée pardon, par un appel API, un appel HTTP, donc ça convient. Et aussi, je vais préciser un peu mettre vraiment l'accent sur ce dernier point. C'est fait un peu pour les applications à faible coût et aussi des applications pas trop complexes, parce Oui, bien que il n'y a pas sûr. le coût. Oui, on va Exactement, pas avoir des millions de règles de gestion à exactement, gérer, c'est sinon on ça. rentre pas dans le même format, quoi. Il faut garder dans la tête qu'il faut voilà, que le code soit simple et voilà, c'est pour des tâches un peu simples par rapport à ça. Voilà. Il y a une extension qu'on va voir à la fin, c'est la deuxième partie de cette Oh, il y a plein de trucs à présentation. la fin, les mecs. Exactement, qui va C'est trop nous cool. permettre justement d'échapper un tout petit peu à cette règle-là. Ok. Voilà. Donc, les plans d'hébergement sur Azure. Donc, on a le consumption plan, le plan de consommation. Donc, c'est le plan d'hébergement par défaut. Il gère tout seul la mise à l'échelle. Donc, si on a un fort trafic, il va augmenter le nombre d'instances de notre fonction pour répondre à cette demande. Il y a le plan premium qui déjà le premier avantage c'est déjà le timeout des Azure Functions, ça je dois le mentionner, donc il passe de 5 minutes dans le plan consommation à 30 minutes dans les plans premium et dédiés. Donc il y a des instances un peu plus puissantes et des connexions à des réseaux virtuels aussi qui seront possibles avec ce plan. Voilà. Il y a aussi le plan dédié, donc on va exécuter nos fonctions dans un plan App Service avec ce qui va faire une isolation, voilà, pour nous de notre Function App. Voilà. Et voilà, c'est idéal aussi pour les scénarios où la longue où la durée pardon d'exécution est longue, pardon. Voilà. Et bien sûr, ça a des coûts Après, différents au fur et à mesure que vous oui, bien augmentez sûr, oui. Au niveau pricing, oui. en niveau, vous allez avoir des coûts plus Ouais. importants. Exactement. Donc, parlons de la mise à l'échelle, donc le scale-out. Donc, il y a une mise à l'échelle automatique, donc c'est ce qui est défini automatiquement par notre plan. Donc, où ce n'est pas à nous de gérer cette mise à l'échelle en réponse à un fort trafic. Ça sera géré par le cloud lui-même. Donc ce scénario, il est plus adapté
à un cas où on ne sait pas exactement et on ne peut pas prédire quand est-ce que le trafic va comment dire, enregistrer des pics. Donc, vu qu'on ne sait pas, on ne va pas mettre des règles dès le départ, on laisse le cloud le gérer. Donc, il y a après la mise à l'échelle manuelle, c'est justement le contraire. Donc, si un exemple, hier c'était la Saint-Valentin, donc peut-être si on a un Et e-commerce. bonne fête à tous les Valentins qu'on oublie trop souvent pour la Saint-Valentin. Moi, j'en connaissais un, mais je ne connais plus. C'est normal, après la Valentin, il n'y en a pas trop. Si on a un e-commerce et on attend vraiment qu'il y aura un fort trafic sur nos Azure Functions, bah, on peut augmenter manuellement les nombres d'instances de nos fonctions pour cette période-là. Voilà. Et il y a aussi la mise à l'échelle à la demande. Ça, c'est par rapport à une région géographique spécifique, voilà, où on va dédier certaines instances pour cette région-là. Par exemple, si on dans le Thanksgiving, par exemple, voilà, si on reprend Là, je connais personne qui l'exemple. s'appelle Thanksgiving, du coup, ça marche pas. Merci, bonne Donc. fête, Abdelrahman, à toi aussi. J'espère que tu as été totalement satisfait de ta Saint-Valentin. Espérons. Hein? Et du coup, donc, je disais par exemple dans le Thanksgiving, c'est une fête qui est plus célébrée dans les États-Unis qu'autre part. Donc, si dans notre e-commerce qui est, voilà, là, en l'occurrence international, donc on peut rajouter des instances pour cette région-là, voilà, qui seront targetées par les appels de cette région-là. Voilà, donc là, voici un tableau qui va nous montrer les déclencheurs et les liaisons possibles. Donc, comment dire, ça répond à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la quantité que c'est très facile à intégrer avec d'autres services. Donc, comme on peut voir déjà, il y a une large variété de déclencheurs. Donc, Je vais mettre ça en plus gros. Voilà, c'est bon. Vous c'est voyez mieux bon. certainement là. Ouais, vas-y. Oui, c'est vrai. Donc là, on voit que une fonction Azure peut être déclenchée par des événements qui viennent du blob, de l'Azure Cosmos DB, des events grid, des HTTP Webhook, donc on peut l'appeler directement. Et c'est aussi valable pour tout ce qui est IoT Hub, parce que c'est un point important aussi dans les use cases, c'est que c'est très utilisé pour gérer, voilà, justement des événements qui viennent de IoT Hub. Voilà, donc ça peut aussi prendre en entrée d'autres services. Donc vous voyez que ça peut prendre par exemple une Cosmos DB, une base de données, une mobile app, etc. Et ça prend aussi en output une certaine variété de services. Donc tout ça juste pour vous montrer que vraiment il y a une variété de déclencheurs aussi et une certaine compatibilité et voilà, possibilité d'intégration, voilà, avec un large nombre quand même de services. Voilà. Donc là, j'ai mis juste un exemple d'une Azure Function pour voir à peu près ce que ça fait. Donc là, par exemple, cette fonction, c'est celle générée automatiquement par Visual Studio quand on crée une Azure Function. Et donc, ça nous montre que, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je ne sais pas s'ils peuvent voir. Ouais, Si? on va ta souris. Très bien. Donc là, on voit que même niveau syntaxe en .NET, en l'occurrence, et en C-Sharp, c'est très simple, on va dire. Et le code ici aussi, bon, il ne fait pas grand-chose, mais il faut garder dans la tête que les fonctions Azure, il faut vraiment qu'ils soient simples. Donc là, on peut préciser directement le déclencheur qui est un HTTP. Ah, pardon. Hop, ça a sauté. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, ce qui est un HTTP trigger, on peut. Du coup, préciser une authorization level. Donc là, en l'occurrence, c'est function. On aurait pu mettre aussi Anonymous pour voilà, autoriser tout le monde à y accéder. Là, on précise donc les protocoles, voilà, d'appel. Est-ce que c'est un GET, les types de requêtes. Donc, est-ce que c'est un GET ou POST? On peut aussi faire les deux. Et voilà, on a un logger pour loguer et suivre, débugger notre application. Voilà. Donc,
Cette fonction qu'on voit là, c'est une HTTP trigger. Donc, elle est lancée par un HTTP webhook. Voilà. OK. Après, donc là, c'est la deuxième partie de notre présentation. Donc, les Durable Functions, c'est une extension des Azure Functions. Voilà. Qui est un modèle de programmation qui permet de gérer des processus longs et complexes. Parce que, rappelez-vous, on a dit que. On a une certaine restriction, voilà, par rapport au temps d'exécution. Donc, avec les Durable Functions, on peut s'en passer de ce problème-là. Donc, ça permet aussi un suivi, de l'état pour maintenir justement la continuité du traitement. Donc, on pourra vérifier l'état, etc. Et c'est basé sur le modèle d'orchestration de fonctions. Ça veut dire qu'on aura une fonction qui va définir voilà l'ordre d'exécution d'autres fonctions. Parce que dans les Durable Functions, on va utiliser un groupe de fonctions, un groupe d'Azure Functions, voilà qui fera qui répondra à notre use case. Et c'est idéal pour donc les applications qui nécessitent un suivi des tâches sur une longue période de temps. Voilà. Donc, les types de fonctions, justement, qu'on va utiliser pour implémenter le modèle Durable Functions. Donc, ça sera les orchestratrices, voilà, parce que c'est des fonctions. Donc, cette fonction, elle va préciser, justement, l'ordre des fonctions qu'on va exécuter. Et ces fonctions-là qu'on va exécuter, c'est le deuxième type, c'est les activity functions. C'est-à-dire, une activité, c'est tout simplement une fonction où on va faire la tâche d'une unité de Azure Function. Imaginons que, par exemple, on a un tableau et on veut appeler plusieurs fonctions où chacune va mettre des valeurs dans ce tableau. Donc, ces fonctions-là qui mettent une valeur dans le tableau, c'est les activity functions. Et la fonction orchestratrice, ça va être celle qui va les appeler dans un certain ordre. Voilà. Il y a aussi l'entity function. Donc, l'entity function, c'est la fonction qui va mettre à jour les états des autres fonctions. Voilà. Et après, on a la client function. C'est elle l'élément déclencheur. Donc, une client function, ça peut être. La fonction qu'on a juste vue en exemple, donc un HTTP trigger, qui elle va lancer l'orchestrateur qui commencera à attribuer les tâches donc aux activity functions. OK. Voilà. J'espère que c'était clair un peu ce point. Très clair. Donc, ouais. Donc, ah oui, là, on a les patterns des durable functions. Donc, on va voir en quelque sorte. Les modèles d'utilisation de ces durable functions. Donc là, sur le premier schéma, ça correspond au pattern function chaining. Donc il y aura un chaînage de fonctions. Donc là, comme on voit, il y a quatre fonctions Azure Functions qui vont s'exécuter l'une après l'autre dans un certain ordre précisé par la fonction orchestrateur. Ça, c'est le premier pattern. Donc, juste pour donner un exemple, par exemple, si on a voilà, des tâches qui doivent vraiment se faire dans un certain ordre, donc la fonction orchestrateur, elle sera garante que voilà, on va faire F1, après F2, ensuite F3, etc. Et surtout, en fait, ça peut aider quand on a besoin du résultat de la première fonction pour la deuxième, ainsi de suite. Le deuxième pattern, donc c'est le fan out, fan in. Donc là, notre première fonction, elle va déclencher une série d'autres fonctions qu'on va attendre à la fin. On va attendre ces fonctions qui finissent. Nous, on va attendre leur résultat et leur résultat va nous permettre, genre, qui sera une entrée, pour une autre Azure Function. Voilà. Ouais, donc ça c'est pour le deuxième pattern. Le troisième. Donc le troisième,
On va imaginer que le client, c'est cette partie-là, parce qu'il va lancer la fonction start ici. Donc, ça va déclencher un calcul. Ce calcul, au fur et à mesure, donc au début, il va mettre l'état à, je sais pas, initial ou un truc comme ça. Et après, à la fin, il va le modifier. Donc, notre client va lancer notre application start. Il sera directement redirigé vers un autre point de terminaison pour qu'il puisse surveiller l'état d'avancement de ce calcul. Imaginons que ça prend vraiment du temps. Ce n'est pas un calcul très rapide. Donc, le client va lancer tout simplement le calcul et il aura un deuxième point de terminaison pour surveiller l'avancement de ce calcul et attendre du coup sa fin et le résultat avec. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième pattern. Allez, là, il y a le pattern monitor et donc c'est superviseur en français. Ce qu'il va faire, ce moniteur, c'est que, par exemple, une règle de, on va dire, de nettoyage. Par exemple, on va dire, chaque mois, il faut faire un nettoyage dans notre base de données, etc. Donc, nous, avec une Azure Function Simple, on aura le choix de faire une fonction chronométrée, donc, avec, qui s'exécute, par exemple, chaque lundi, le premier lundi du chaque mois. Voilà. Mais on aura toujours la contrainte du temps d'exécution, etc. Et justement, avec les Durable Functions, ça va nous permettre de faire des tâches très, très longues et qui seront toujours surveillées par une autre fonction qui va checker à chaque fois l'état. Et donc, si elle est terminée, c'est bon. Si elle n'est pas terminée, bah, on verra s'il y a un problème ou pas. Mais en tout cas, ça permet de superviser, voilà, une tâche qui dure dans le temps. Après, il y a Human Interaction. Donc, pour celui-là, je vais donner l'exemple d'un manager. Tout simplement, il est responsable sur un certain nombre de collaborateurs. Un de ses collaborateurs va faire la fonction, la première, le Request Approval. Par exemple, en demandant des congés. Donc, on va dire que le manager, il a 72 heures comme temps pour répondre à cette demande de congé. Donc, on va attendre cette réponse pendant 72 heures, mais si elle n'est pas là, par exemple, le manager ne s'est pas connecté à son espace dédié ou il est en congé, donc là, là, on va voir à. Ce qu'on va voir, c'est que par exemple, on dirige cette demande vers son supérieur. Donc, il y aura un enchaînement d'autres tâches derrière. Soit qu'il l'accepte dans cette période-là de 72 heures, et donc, on n'a qu'à lancer le processus quand le manager accepte, et du coup, c'est approuver la demande de congé. Voilà, et il a modifié donc, dans la base de données, etc. Le dernier pattern, donc c'est l'agrégateur, le Stateful Entities aussi, il est appelé ainsi aussi. Donc, vraiment ce pattern s'applique sur un scénario, par exemple, où, imaginons avec moi qu'on a une Azure Function qui va traiter, par exemple, tous les fichiers qui sont rajoutés dans un blob. Donc, elle va les traiter en temps réel déjà, c'est sa première tâche, mais aussi garder certaines informations pour une analyse ultérieure. Et par exemple, on va dire, elle garde les infos des 3 derniers mois des fichiers qui ont été rajoutés dans un certain blob ou un autre type de compte de storage. Voilà, donc ça, c'était les patterns J'ai de. une question. Est-ce qu'on peut monitorer une Azure Function? Alors, je Oui, ne sais pas ce qu'on justement. entend par monitorer. Ben c'est justement, La c'est question, ça. c'est où se trouvent les logs d'une Azure Function? Donc, je ne pense pas qu'il veut parler du monitoring. Après, ça peut être utilisé comme ça. Mais je pense qu'il parle plutôt de monitoring plus système. Mais de ce que tu as dit, je pense que ce monitoring-là, il est plutôt à faire de notre côté. Et donc, Exactement. Ça, deuxième c'est. question, c'est où se trouvent les logs? Tu vas en parler. Je t'écoute. Bah, je pense qu'on va les voir dans la démo, mais en tout cas, via le portail Azure,
on a vraiment accès déjà à App Insight, qui est vraiment un très, très bon service qui va suivre les erreurs, etc. Et aussi, on pourra, même lors de l'exécution d'une Azure Function, voir son journal d'état, ce qu'il y a, et on va même voir le file system. Donc, on a des console logs ou des erreurs, on va les voir là-bas, sur le portail directement. Et ça, on va le voir en détail dans la démo, dans la partie démo. Eh Et bien, nous d'ailleurs, partons c'est la sur suivante. la démo, les amis, sachant Exactement. qu'il nous reste 5 minutes, 5 Ah, minutes, je vais mais faire que alors. si Ouais. tu n'as pas le temps de tout faire, c'est pas grave, parce que OK. nous pourrons à ce moment-là faire un épisode 2, si besoin. OK. Ça va, mais en tout cas, pour la démo, 5 minutes, ça sera chaud un peu. Est-ce que tu préfères quand même démarrer un petit peu, ou est-ce qu'on Oui. se dit qu'à... Ouais, eh bien Ouais, alors démarre un petit envoie peu, juste la créer on sur. parle. Ouais, ok. Alors, allons-y. Donc là, sur mon. Ah, là, vous allez voir ma tête deux fois, en double. Est-ce que vous voyez par contre Ouais, mon. on voit bien. Ah, On voit ok, bien. très bien. Ça marche. Donc, pour créer une function app, on va venir ici. Elle est là. Donc, on fait create. C'est très simple comme tous les autres services. Donc là, on sélectionne envoyer sur ce groupe. On va la nommer. Ah! Désolé. Donc là, on va la nommer Neos Demo, par exemple. C'est bon, on peut. Donc le type de publish, est-ce que ça sera à partir d'un Docker container ou du code? Donc dans notre cas, ça sera du code. On va voir le runtime. Pour moi, ça sera du .NET 6 en plus. La région, on attend que ça load. En plus, j'ai que 5 minutes. Ouais. Et ça J'ai que tarde 4 à. maintenant. Ah oui. Voilà. Donc là, on va essayer de la mettre en France centrale. Voilà, c'est bon, elle est là. Là, l'operating system, donc ça supporte les deux, Linux ou les deux, enfin, ces deux-là. Donc c'est Linux ou Windows. Et là, on a le choix du plan type, donc soit consumption, soit les deux autres qu'on a vus. Et moi, je vais rester plutôt sur consumption. Qui est le moins cher. Les. Ouais. Donc là, ça va créer automatiquement. Un storage account, comme j'ai dit, pour gérer les états, le journal d'état. Voilà. Donc, j'avance. Là, on peut restreindre ou pas l'accès public. Moi, je vais par contre le laisser. Là, c'est pour enable ou pas les applications Insight. Et donc, ça répond à la question que notre ami a posée tout à l'heure. Et voilà, donc, soit on crée un nouveau App Insight. Ou on utilise un qui déjà existe. Moi, je vais laisser comme ça. Voilà. Là, oui, pour les options de déploiement, il faut savoir qu'on peut déployer des Azure Functions directement depuis le portail, mais ça, c'est vraiment que pour des petits tests, etc. Sinon, on peut les déployer soit depuis Visual Studio, soit avec des outils de CI/CD, donc en l'occurrence Azure DevOps ou Git ou etc. GitHub, pardon. Voilà. Donc là, pour moi, ce sera disable. Mais sinon, on peut directement brancher, ce qui est bien d'ailleurs, brancher nos Azure Functions sur une repo. Là, les tags, c'est juste pour dire, voilà, par exemple, si vous voulez dire, voilà, qui a créé ça, ou, etc. Mais bon, nous, on va laisser comme ça. Review. Et créer du coup. Et là, ça va épuiser, je pense, mes dernières minutes. Il en reste deux. Vas-y, on te les donne. Attends. Donc là, on est sur le portail Azure tranquillement et on crée son, sa function app tranquillement. Et on retrouve le petit comment ça s'appelle? Le petit éclair qu'on a vu tout à l'heure dans les patterns. Et là, aïe, aïe, aïe. Là, ça va épuiser mes dernières minutes, apparemment. C'est pas grave. Et donc là, on voit qu'il fait un déploiement Ouais, ça prend du temps, c'est sur normal. une plateforme qui est virtuelle. À aucun moment, on n'a parlé de plateforme ou quoi. On se concentre seulement sur la fonction. C'est ça qui est très intéressant. Exactement. On n'a pas à gérer tout ce qui est serveur, etc. D'ailleurs, c'est serverless. Donc, il n'y a pas de serveur à gérer. Mais bien sûr, pour les exécuter, Azure gère ça de son côté. Voilà. Mais nous, en fait, ce n'est pas notre problème. Voilà, comme ça, on est focus à 100% sur le code. Impec. Bah écoute, je crois que je vais te proposer qu'on fasse la suite dans un épisode 2, une suite, tu vois, Ok, ça un marche. sequel, comme on dit.
Et puis voilà, on voit ça ensemble la prochaine fois. Si Ok, vous avez ça des marche. questions, les amis sur le chat, vous n'hésitez pas à les poser et on essaiera d'y répondre pendant le prochain épisode. La semaine prochaine, vous voulez tous savoir ce qu'il va y avoir, je le sais, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner l'information dans 4 secondes. Attention. Ah, ce sera Aymeric Breton qui sera là pour son premier Trade Stand et qui va nous parler des outils pour avoir un code C# plus propre, dis donc. Donc il y aura une balayette, voilà, ce genre de un petit plumeau, ce genre de choses. Donc ça va être intéressant. N'hésitez pas à être là la semaine prochaine. Encore merci Etem, c'était cool les Azure Functions. C'est l'heure du coucou, on est pile à l'heure et ça c'est bon. Je te dis Allez, merci à à bientôt le tous. chat. Salut. Salut.